Putain, il est long ce tunnel. C'est parce que t'as les boules. C'est parce que t'as les boules. Chut, vas-y, prends. Ok, ça tourne. C'est bon pour le son, là, Ben? Ben, tu cadres sur moi, là. Oui, ok. Pardon. Tu peux faire un peu moins de bruit, s'il te plaît. Je suis de retour, ici, à Birkeland, 7 mois après les événements, accompagnée de ces 2 enfants qui ont fait une découverte. Ben, reste sur moi. Non. Voilà. Accompagnée de ces 2 enfants qui ont fait une découverte qui va remettre les choses en question. Les enfants, pouvez-vous m'expliquer ce que vous faisiez dans Birkeland et ce que vous avez trouvé? On se baladait et on a trouvé un téléphone. Vous voulez dire que c'est si facile de rentrer dans Birkeland? Oh oui. Ben, tu reviens sur moi. Merde. Pouvez-vous me préciser ce qu'il y avait sur ce téléphone? Il y avait des images de personnes qui criaient et qui couraient dans ce diner. Et ces images, tu reviens sur moi? Et ces images, nous vous les montrons maintenant. Ça fait nuit. Quel médecin qui est mort. Allez, on y va. Elle a les yeux noirs ou... J'ai pas rien à voir, moi, ce qui se passe. Non, ça. Bon, tu le surveilles bien, ton gros, là? Arrête. Quoi? C'est bien serré, ça? Ils veulent tuer Jack. Je suis sûre qu'ils veulent tuer Jack. Je sais pas quoi faire. Oh, Julia, ils sont là. Non, ne touche à rien, ne touche à rien. Ok, ça tourne? Ouais, ça tourne. Je suis maintenant à l'intérieur du diner. Comme vous pouvez le constater, il est complètement abandonné. Tout est détruit, abîmé, il y a du sang au sol. Oui, tu as le sang? Oui, j'ai le sang. Chut, ne touche à rien, s'il te plaît. Ici, on a la corde qui a servi à attacher un des membres du diner. Il y a du sang sur les fenêtres, sur le bar. Il y en a... Attends, chut. Y a quelqu'un ?